Je m'appelle The Gamer Cat. On voit bien les comptes. Aujourd'hui, je vais jouer dans Assassin's Creed Unity. Puis je vais faire plusieurs épisodes aujourd'hui. Sûrement trois. Vous voyez mon personnage. Hello. Oui, c'est ça. On va faire une mission coop. Qu'est-ce qu'il y a comme mission? On va faire le complot autrichien. Nous devons réussir une fois, mais il est pas. Je vais te tuer. Ah, puis les gardes aussi. Vous mourrez. Arrête, sale filou. Tu vas mourir. Et toi? Mort aussi. Et comme vous pouvez le voir, je suis déjà bien avancé parce que j'ai pas fait de vidéo avant. Bon. T'inquiète, petit voleur là-bas. Là. Ok, vous. Hello. Crève. Aussi. Et t'es mort. Bon. Je vous recommande beaucoup, si vous avez PlayStation Plus, c'est seulement 11$. Si vous n'avez pas PlayStation Plus, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du prix exact, mais bon, c'est un peu plus cher. Mais ouais, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, ok. Hey, moi aussi, je veux que ça passe. Crève. Le problème c'est que même les gars c'est petit. Et aussi mon vol. J'ai pas eu ce vélo. Ah, bon, ça va commencer. Bon. Ça, c'est une mission coop. C'est pour les personnes qui connaissent pas vraiment l'anglais. Mais même si tu connais pas l'anglais, tu sais un peu c'est quoi. Mais bon, je vais quand même expliquer. C'est une mission que tu fais à plusieurs. Mais ouais. Mais le pire, c'est que je suis juste un exécuteur supérieur, là. Ah, et ce jeu, il est quand même assez court en termes de campagne principale. Alors, si vous voulez pas vous emmerder, je vous conseille de beaucoup farmer au début pour avoir au moins le katana. Ben, au début, tu prends d'autres armes, mais après ça, tu prends le katana. Puis, comme ça. Ben, en fait, prenez l'arme que vous voulez, mais il faut une arme forte. Parce que... Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire les missions coop ou tout ça. Et le jeu va passer en beaucoup moins de temps. Parce que si vous faisiez toute la campagne principale, le reste est un petit peu plus plate à faire. Comme aller chercher des coffres, débarrer des portes, des coffres. T'sais. Fait que je vous conseille grandement de ne pas faire la campagne principal tout d'un coup. Rendez-vous jusqu'au 5 si vous voulez. Là, vous débloquerez énormément de choses. Vous êtes en retard. J'ai dû éviter les patrouilles après les propos de Danton.
Nous devrions regagner l'Autriche sans tarder. Tu dédaignerais mon hospitalité, traître. L'enfantant, un chef révolutionnaire bien trop vulnérable. Guillaume et Robespierre, les deux pères fondateurs de la Révolution française. Une révolution sur le point d'être écrasée par une armée autrichienne dont les espions ont infiltré Paris. Les assassins savaient que ces espions avaient un chef. Un chef qui transmettait aux Autrichiens des informations sur les défenses de Paris. Le roi Louis retrouvera bientôt le palais de Versailles. Il devra me passer sur le corps. Danton a rallié Paris pour faire face à la menace, à ses risques et périls. Vous devez protéger Danton, puis éliminer le chef des espions. Oh, j'ai un gars puissant. Bah, il est censé être puissant. Ok, toi tu crèves. Bon. Juste pour attends. Le gars qui vient de tuer des gardes ultra facilement. C'est un peu bizarre, mais bon. Ah oui, ça. J'aime ça quand tu es sûr. Ok, sinon il n'y a aucun fight. Mais l'autre gars il est trop fort. Bah, je crois en tout cas qui est ici parce que madame faut entendre ça hein. Ça a pas l'air de ça non pas bon je peux te mettre ça dessus bon ok. Tu sais pas que je suis là. Tu sais pas que je suis là. Toi, tu sais pas que je suis là. Arrête-toi, toi là-bas. Il y a juste les contrôles que je reproche un peu à Ubisoft. Le temps presse. Ces espions vont avertir l'Autriche. Vous devez les trouver avant qu'ils ne rejoignent leurs messagers. Très bien. Allons chercher ces documents. Ah oui, cette partie-là. Il semble que c'est la partie du labyrinthe. Parce que, oui, j'ai écouté des vidéos avant parce que je voulais pas avoir trop de... Y'a un gars surprise, c'est pas le fun. Je sais sur la bête ici. Parce que vous avez un maximum de 6 remèdes. Bah, ben, en fait, avec mes choses, j'ai un remède de plus. Normalement, c'est 5 là. Mais ouais. Puis ça vous redonne. C'est la seule manière de regagner des points de vie. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Que j'ai trouvé. Le reste. Parce qu'au début, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait bien faire. Les potions que j'avais dans mon inventaire. Oh, c'est pas la machine infernale. La machine infernale, t'es fait, mais elle est tellement fun, cette mission-là. Danton. La machine infernale, il y a comme des snipers sur le côté. Ok, je dois m'infiltrer là-dedans. Bon, là, j'ai pas le droit d'être ici. Fuck. Ah oui, la virette. J'aime ça. Ok, ici. Oh. Je suis pas là. Crève, 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 crève. Ouch. Crève, crève. Toi aussi. Ouch. Ah, il y a 2 millions de mobs. Des mobs. Toi aussi. Toi, crève.
Ah, je suis mort. Viens. Ok, je vais vraiment pogner le ton mode. Bon. Au moins, je vous aurais montré ce que ça fait quand on meurt, là, mais bon. C'était pas très gracieux. Normalement, j'aurais tué les deux mecs avant qu'ils m'aient repéré, mais là. Ouais. Je crois que c'est la vidéo. Vous me stressez. Les amis, vous me stressez. Oh, un coffre jaune. Ça, faut que j'aille le chercher. C'est hyper rare. Ça donne des skins, des fois. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai mon skin à ce moment. C'est la pire truc que j'ai jamais eu. Normalement, c'est dans les 2000 que ça donne. À mon niveau, là. Ah, puis Odyssée, je vais commencer le Odyssée. Dès Noël. Ça va être cool. J'ai écouté plein de vidéos, puis c'est vraiment le fun. Les sauts de l'ange. De l'aigle. Bon, je m'attarderai pas trop à ça. Moi, je vais faire la... Quoi? Rien. T'as rien vu. Non, ici, je me ferai pas prendre. Ils sont cassés. Donc ici, ça va être un peu dangereux. C'est tout. Bah ça, t'es pas mort. Ah, c'est sérieux. Ah, j'ai encore crevé. C'est vraiment bon les bombes cinégènes. Quand il y a autant d'ennemis la dernière fois, j'avais oublié de les utiliser. C'est quoi deux? Ça fait de Bah oui. Ça c'est. Il s'éloigne, plus vite! Bon. Ces documents ont été envoyés par le comte. J'ai utilisé une tonne de choses pour chez lui et il est fou. Ainsi que ses complices. C'est vraiment un bon jeu. Et pour un jeu qui a été fait en 2013. Qui était sur la PS3. Hein. C'est très bon. Les remèdes sont pas encore au complet. Donc, pas au cri. Tu méritais ton sort. T'as attaqué l'autre assassin qui est avec moi, puis en plus tu m'as attaqué. Méchant. Bon. On a vidé la virale. Ah c'est vrai, faut que j'aille tout de côté. Ouais, il y a encore lui. Et lui, je prends la dame. Ouais. Les armes n'ont pas une très grande portée. Ouais. C'est vrai que je trouve un côté.
monter. Parce que c'est beaucoup. J'ai attiré tout le monde. Bon. Maudit serpent! Tu vas me payer ça! Tu n'as aucune issue, chien! Tu vas me payer! Oh ben non, il n'y a pas assez. Ça vaille la peine de trouver une autre grenade. Bon, allez, attaque! Meurs! Là, j'ai décidément, j'ai vraiment vidé le labyrinthe. Du chocolat, wouhou! Ok, toi, je te dis. Ah oui, sur le côté, ici, ici on peut escalader. Bon, c'est un peu chiant à escalader par contre. Puis un peu mal fait, mais bon. Bon. Est-ce que ça bug trop? Je pourrais mis lui. Tu m'énerves le labyrinthe. J'ai vraiment l'air idiot. Oh, oh. Non. Je suis là, mes frères. Ok, crevez-vous. Ah non, pas les lancer. Mort. Rentrer.
Bah allez, viens, mon petit chorizo. Ah, c'est déjà fini? Cool. Je vais fuir le secteur. Ça, c'est quand on est fini. Les Autrichiens n'auront pas les secrets de Paris. Bravo. Bon. Désolé, j'ai accroché mon micro. Bon. Complot autrichien. Le complot autrichien. Bon. Un pays ici. Ici. Je veux juste grimper. Bon. Une botte de foin. Merde, non. J'ai sauté à côté. Bon, ça, personne n'a vu. Ça n'existe pas. Je suis pas mort. Bon. Faisons une quête principale. Je pourrais refaire mon saut de l'ange. Mon saut de l'aigle. De faire oui là une mon pantalon a un peu bugué mais bon en fait pas mon pantalon mon espèce de cap. Ça va me téléporter parce qu'il y a comme 2 millions de personnes. C'est pas que j'ai peur, c'est juste que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Bon. Le roi est mort. Bon. Commençons. Ça va être pas mal comme ça, les vidéos que je vais faire. Je vais... Comme une mission principale.
puis une mission coop, ça va au moins être tout le temps ça. Tu peux aller, vous autres. Allez, vous les avez poussés, je vais vous tuer. J'aime pas ça quand quelqu'un pousse quelqu'un. Oh, une trappe d'égout, très intéressant. Assassiner le roi des thunes. Toi, je te tue pour avoir des dégâts de chute. Ça, je vais te tuer. Ça va te tuer. Ok, bon, je vous tue facilement. Et vous aussi. Ben oui, oh mon dieu. Tout cela est fort intéressant. Aucun de tes amis va venir te sauver. Devrait les faire sortir de leur trou. Je vous le dis, mes frères, mes sœurs, ma frère. Entrez dans vos taudis. Les rugrouilles de la main-d'œuvre retaillée de sa grâce ces derniers temps. J'ai à peine gagné un denier cette semaine. Allez, bon, personne ne plaint. Moi, veut-il qu'on attire l'œil face à des trifles amputés et à des soldats estropiés. Si tu manques encore un truc, tu te souviendras de tes glorieux combats à Kruger. Dispersez-vous. Difficile.
acheter des compétences, armes, équipements pour améliorer votre niveau. C'est pas ce que je veux. Une chose de faite, interagir. Que s'est-il passé ? Les mendiants, ils se soulèvent dans tout le quartier. Vous autres, venez avec moi. Trouver le roi des thunes. Une chance que j'avais le double assassinat.
Bon. Ça tombe bien. Tout est bloqué. Ça, on peut pas aller là. Oh. Bon, je suis la route. Des béliers m'a apporté les plus merveilleux des présents. J'espère que tu en es. Tu es spéciable. Non, tu n'en es pas si prêt. Katia, tu ne peux pas te cacher. Maintenant, je te tiens. Oh, tu utilises encore ces pauvres petits couteaux. Sur toi. Les sujets ont des yeux d'argent.
Il faut partir. C'est fait. De la serre est mort. Ow. Méchant. Je suis jamais venu. Je t'ai vu. Okay. Oh, qui les bleus c'est. Merde, je suis pogné. Ok, enfin, dans le fond, faut le tuer lui. Une poupoule. J'aime bien les poules. C'est quoi, c'est une taverne? Ah, c'est un hôpital. Tu arrives à temps pour l'avènement. En fait, non, c'est quelque chose. Votre règne. Tant qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des tulles. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte. Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Si je... Et déjà si c'est... Eh bien, bonne chance à toi. Complètement drogué, ce mec. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, si l'on est. Un homme.
objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? On serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions. Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent, aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Ou se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance. Bon. Je suis sur mes gardes. Bon. Bon bah. N'oubliez pas de rajouter un pouce bleu et de vous abonner. Comment va bien? J'en referai un petit peu plus tard et je vais avoir un petit peu avancé, mais pas dans la campagne. Je vais peut-être avoir ramassé un peu d'argent juste seul. Hé, c'est une petite Dead King. Rejoins Franciab. Oui. Je suis une petite. Eh ben, à plus tard. En fait, non. Vu que je vais découvrir avec vous, je vais laisser encore un peu ouverte la vidéo finalement. Bon. Dead King, j'ai jamais vu ça, mais en tout cas, si tu finis ça, tu es censé débloquer une épée folle puissante. Ubisoft, membre, lui présente. Santé, Arnaud.
Tombe dedans, tombe dedans. Ah non, pas dedans. Ok. Eh bien. Elle est isolée des autres données d'Elix. Bon, nous nous reverrons dans. En fait, j'en ferai une juste après. C'est juste que je veux pas qu'elle soit trop longue et vous pourrez l'écouter quand vous voulez. Fait que. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.